Aujourd'hui, c'est un gros, gros, méga gros unboxing. Donc, j'ai acheté 60 affaires pour comme 130$ sur Shein. Puis là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Salut la gang! J'espère que ça va bien. Donc, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où aujourd'hui, on fait un gros, méga gros unboxing. Pendant les soldes du Black Friday, j'ai vraiment acheté abusivement sur Shein pour vrai. Je dois faire une thérapie parce qu'il y a 3 vidéos qui s'en viennent avec des aussi gros unboxings que ça. Pour vrai, je suis capable, c'est comme un petit enfant, c'est comme un Noël avant Noël. Et je sais même pas par où commencer. Un peu au hasard. Oh mon dieu, des caisses. Des caisses de iPhone. Donc, 3 petites caisses comme ça. Donc, trop mignon. Lui est vraiment beau. Donc, pour vrai, j'ai vraiment acheté abusivement de caisses, mais c'est parce qu'il était comme tout à 1$. Donc ici, j'ai d'autres caisses. Donc, avec un dragon chinois. Ok. Lui, c'est mon préféré là, en ce moment, là, comme tendance beige. Là. Genre, j'abuse. Des petites fleurs et un petit soleil comme ça. Donc, encore d'autres caisses. Voilà. Haha, plein de caisses. Oh my god. Là, je sais pas si on le voit bien, là. Mais comme, ça c'est censé être un miroir. Pour être dans la caméra, on voit pas ce pire. Mais comme, je me regarde, là, pis c'est horrible. L'idée d'avoir un iPhone miroir, c'était comme pouvoir me maquiller. Comme, quand t'es pressé. Pour vrai, genre, je me vois vraiment dégueulasse. Fait que je le veux plus. Et fini, elle veut pas. Ok, next. Ici, j'ai des élastiques à cheveux. Ils sont trop choux. Donc, j'en ai de toutes les couleurs. J'ai aussi vraiment beaucoup de sacoches dans ma boîte. C'est des tout petites. Avec la petite chaîne. En plus, avec le petit outfit d'aujourd'hui, pour vrai, c'est parfait. Donc ici, j'ai une paire de lunettes. Ok, mais pour vrai, ça va quand même fucking bien. Attendez, trop pas. Ok, c'est parfait. Celui-là, c'est un oui. Un autre petit bague. Vraiment très beau. Donc, une belle petite ceinture. Style serpent. Elle va voir si elle me fait. Donc, elle me fait. Ça, c'est bon. Donc, un autre petit bague qui fait penser un peu à au noir. Donc, ça ici, là, c'est la grosse tendance, là, les sacs comme ça. Une vieille tendance qui revient, en fait. Hein, parce qu'on se rappelle, moi, j'en avais des comme ça quand j'étais jeune. Oh, elle m'a dit. Oh! Les petites pantoufles. Sont tellement douces. Je vais clairement vivre dedans. Next. Oh. Ça, c'est un manteau. Oh my god, c'est dans mes doux, ça. Oh my god. Mais c'est tellement le confort absolu. Avec les petites pantoufles, puis ça, je suis prête pour affronter l'hiver. J'ai acheté aussi des bijoux. Donc j'ai un petit collier ici. Trop cute. Que j'allais déposer déjà dans mon rack à bijoux. J'ai acheté aussi des fleurs. Est-ce que je peux savoir comment ouvrir ce papier? Donc, un beau petit foulard. Donc une autre petite sacoche noire, différente à l'autre, mais comme un peu encore avec le motif crocodile. Ceux qui me connaissent savent mon amour pour les bérets. J'en ai trouvé un vraiment pas cher. J'étais heureuse! Levez! Gagnez 1€! Ok, je suis vraiment trop heureuse. Un petit sac brun. Un autre petite sacoche, mais rouge cette fois.
un autre foulard. Donc vu que c'est l'hiver par chez nous, j'ai aussi acheté des trucs. Une autre chose encore pour mon cellulaire. Il n'y a pas de batterie, fait que ça va attendre. C'est sûr que ça sera peut-être pas la meilleure qualité, mais j'en avais pas. Fait que c'est parfait. Je sais pas si je suis la seule qui est vraiment fan des bubble tea, mais... Ok, c'est un peu random là, pour vrai. Ils ont tellement d'affaires drôles des fois que je suis comme, ok, je peux pas passer à côté. Des boucles d'oreilles bubble tea. Ok, on voit même les petites bubbles dans le fond. Après, next. Un autre petit collier, trop mignon. On va l'accrocher au mur. Donc ça, c'est un autre ring light. Oh my god, t'as plusieurs vitesses. Nice. Donc maintenant qu'il est plugué et là que mon chat a pris ma place. Regardons. Oh shit! Yo! Même pour la vidéo, ça fait de quoi? Ok, maintenant on va le laisser là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mignon? Je vais pouvoir faire des plus belles vidéos. Ah, pour vrai, je suis vraiment surprise. Une autre petite sacoche, comme ça. Une autre truc. Ah, tu vois, je préférais de loin l'autre, la dernière, mais bon. Une autre truc. Oh, le pompon est tout mignon. Il est tout doux. Cette truc-là, c'est vraiment pour les froids polaires, là. Mon Dieu, j'ai déjà chaud juste à l'en mettre. Des petites mitaines comme ça. Oh, tes doigts sont libres. Là, si t'achetais pourtant, mais t'avais un item gratuit. Et ça, c'est mon petit item gratuit. Donc, une petite éponge. Ben, c'est parfait pour se maquiller. En vrai, je pense que je dois avoir une collection là, de ces petites éponges-là. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, un autre collier. My god. Il est donc bien mêlé. Si je les mets tout de suite là, direct sur mon petit rack à collier, c'est parce que justement, j'haïs ça quand ils se mêlent entre eux. Là, ça te prend 1 heure. Tiens. Avec plusieurs étages. Encore des trucs pour les cheveux. Parce que j'adore mettre des passes. En fait, j'adore mettre des trucs dans mes cheveux parce que j'haïs faire mes cheveux. Fait que mettre un élément dans mes cheveux, on dirait que tu t'es préparé. Là, ben, j'ai 3 couleurs comme ça. Wouhou! Un autre petit manteau vert que j'avais hâte d'essayer. Comme d'une couleur neutre encore. Pour vrai, j'aime vraiment cette mode-là, là, tout vers le neutre. Donc, un petit bracelet comme ça. Une petite sacoche encore. J'ai cette sacoche-ci. Vraiment très mignonne. Puis ça, c'est d'une couleur que j'avais pas. Donc, c'est parfait. Donc, j'ai exactement la même, mais en 4 couleurs. Fait que tout dépendant comment je file. Attendez. Pour vrai, je trouvais que la tuque était vraiment belle, ok? Mais là, sur ma tête, c'est vraiment laid. Oh mon dieu. Genre, c'est moi ou comme ça, c'est plus haut que ça, puis... Petite anecdote cocasse. Genre, ce bracelet-là, avec ma bague et cette boucle d'oreille-là. Ensemble, ça a coûté 18 cents, si je me trompe pas. Je fais un petit ensemble, mais là, les boucles d'oreilles, ils me gossent un peu. Parce que c'est comme... Quand je la mets, elle est comme par l'intérieur, puis là, je suis comme moyennement fan.
Ok, mon frère vient d'arriver, puis je me suis levée, puis là, mon bracelet est tombé. Mais bon, juste le recoller, là, mais. C'est quand même cheap. Bon, on était rendu où dans tout ça? Donc, encore des bijoux. Donc, voilà. Voilà. Alors, on achève. Il me reste 4 affaires. Donc, ça, c'est plein de bijoux. Pour faire un bijou. Ça, c'est comme plein de chaînes. Puis là, ben, tu décides comment tu les agences. Ok. Voilà. Donc, j'ai la petite fleur, une petite clé, un petit cadenas. Un petit papillon. Et il me reste celui-là. Ça, c'est des petits bracelets ici. Ok. Des petites chaînes. Ça, c'est tout pour les bijoux. J'ai ma petite sacoche. Il me reste 2 articles. Ça ici, là, je peux pas le porter parce que j'ai du maquillage et ça me tombe pas. Mais il faut porter des masques, là, guys, à cette heure. Quand on sort. Mais là, c'est vraiment un masque avec un petit foulard comme ça. Fuck. Tu sais, puis après ça, tu mets ton masque. Pour vrai, je trouvais ça vraiment cute. Puis original. Là, ben, une petite tuque blanche. Oh, j'ai l'air d'avoir un condom sur la tête. Voilà. Puis là, voici quelques petits outfits que j'ai pu faire avec ce que j'ai trouvé. C'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, en fait, j'adore fouiller les soldes. Puis Shein, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment, vraiment pas cher. Et là, je sais que je fais beaucoup de vidéos de mode en ce moment, mais ça s'en vient. Je vais probablement vlogger beaucoup, faire des voyages en 2021 lorsque les frontières vont être ouvertes. Je sais que je pourrais y aller, mais je veux pas encourager ce mode de vie-là. Donc, tu sais, je pense que c'est important de suivre et de respecter les mesures de sécurité. Puis je sais que des fois, je peux être 100% d'accord avec ce qui se passe, mais ça doit être quand même difficile d'être dans les pieds du gouvernement en ce moment pour essayer de satisfaire tout le monde tout en faisant le plus possible attention. Donc, je veux pas encourager ça, alors je vais juste me pratiquer à faire de nouvelles vidéos et de m'améliorer. Comme ça, quand je vais pouvoir partir à l'aventure, genre ça va être vraiment meilleur mes montages. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bye la gueule!